c'était pour le quintet de samedi à Saint-Cloud. Vous avez engagé Al-Murkab. C'est ça, Al-Murkab, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, s'il vous plaît? C'est un cheval qui a été la plupart de ses courses dans les quatre premiers. Mm-hmm. Il a gagné une course. Il a tout le temps couru contre des chevaux qui sont pas mal. D'accord. Par contre, il est un petit peu, je veux dire, il est malchanceux ce cheval-là. Il a tout le temps des petits pépins. D'accord. C'est sa première course cette année. Mm-hmm. J'espère que la valeur qu'ils m'ont donnée, elle est bonne pour lui, parce que comme ça fait longtemps aussi, je suis à l'extérieur, je viens de priver en France, je connais pas trop les chevaux, alors on verra bien. Et quand vous me dites qu'il est malchanceux, il a toujours des petits pépins, est-ce que pour cette rentrée, il vous semble prêt autrement? C'est un vieux cheval qui a pas besoin de beaucoup de boulot. D'accord. Et je crois qu'il fera le maximum. D'accord. Donc maintenant, il faut voir au niveau de la valeur si ça peut lui permettre d'être à l'arrivée. Ils vont donner une valeur. Le cheval, il va faire sa course. On verra bien après sa course s'ils ont bonne et s'il est là quoi. D'accord. À l'arrivée ou pas, hein, on verra D'accord. bien. Et le terrain, c'est important pour lui le terrain ou pas? Il aime bien le terrain souple. D'accord. Parfait. Ok. Ok. Sans bon, problème. Mais c'est parfait. Ok. Voilà, j'ai mis en plus Tony Picon, un jockey qui est quand même en forme et tout. Alors j'espère qu'il va bien courir. D'accord, parfait.